pas de, toujours dans les défis la retorte aux équipes parce que c'est l'équipe qui joue au ballon. Difficilement, elle a battu la MCO 1-0, elle a fait match nul, elle a tenu en échec la JS la saison avec cette défaite, cruelle défaite à Constantine 3-2. Et c'est parti en tous les cas pour 90 minutes. Halbach, je le disais, un peu plus trop haut, évidemment, à la recherche d'un succès pour renouer avec le succès dans la mesure où le Parado... Attention à cette faute, attention à l'homme, attention, ça va être le but. Oh, que c'était bien vu! Quelle erreur monumentale du gardien Malbach. Et sur cette balle, le numéro 17... Messiba. Ben Khalifa. C'est Ben Khalifa, le numéro 17. C'était bien vu. Vous avez vu cette maîtrise. Et là, on va assister à un véritable match de football. Le 22 est en Wally, un joueur de couloir qui a été formé au Parado, faut-il le rappeler, qui est passé par le Mouloudia d'Alger. On revoit donc sur Merci. Seule reprise, il va contrôler, il passe. Quelle intervention pénalty. On va revoir la ralentie. T'appelles Woltani. On la revoit sur cet angle. Oui, c'est l'épaule. C'est l'épaule, Ahmed. Regardez. Non, l'avant-bras. L'avant-bras, il y avait faute. Je reviens et M. Halalchi, je l'avais dit, qui était là, bien placé. Regardez-moi sous cet angle. Mais là, je peux vous dire que quand Woltani a fait le centre... Qui se concentre, va prendre son élan, Adadi. Prend son élan, il marque. Très, très bien tiré. Balle croisée sur le petit filet. Et très belle égalisation pour le Nasrallah du Sindé. Très belle égalisation et puis après 22 minutes de jeu, on est servi, il y a deux buts, il y a beaucoup de temps à jouer. Il faut que les joueurs, les deux équipes se lâchent, jouent vers l'avant. Ne doit pas se poser beaucoup de questions. Signé du milieu de terrain offensif, Toufiq Adadi. Il est né en 90, 27 ans à peine et bien évidemment toute l'expérience devant lui. Et je peux vous dire que l'égalisation du Nat est venue au bon moment. On revoit donc ce petit, il a bougé le gardien Mousseau pour essayer de déstabiliser. Calmement, il va à la place sandwich, le gars. Il laisse jouer. Faute, dire à l'arbitre, il joue rapidement. Dans son centre, au niveau du point de pénalty. Et il s'en va dans les airs, Malbach. Et oui, je disais qu'il avait 20 ans. Attention, de surface de réparation. Quel ratage! Quel ratage! Il joue toujours de la même manière, avec un jeu un petit peu décousu. On a revu cette faute, attention, sur la phase de réparation, attention, quand ça va être le deuxième but, il rate lamentablement. Ouh, que c'était ce petit lutin qui est en train... Le numéro 27 qui va essayer de passer un, deux joueurs, mais alors, ils sont plus nombreux sur ces attaques, les pakistes, ils ne laissent rien passer, regardez-moi cette remontée de balle. Regardez comment il arrive véritablement. Il va crocheter, il va tirer au-dessus. Incroyablement. À 20 ans, ce qu'il fait, ce qu'il se permet. Regardez, balle au pied. Merci à Yassine Sadat, notre réalisateur. Regardez comment balle au pied. Quelle maîtrise, quelle audace. Il va dribbler, il ne trouve pas de soutien. Il se permet d'aller tout seul, entre deux. Regardez cet excès de zèle, cette audace. C'est que c'était bien vu. Il va crocheter. Incroyable. Ça me rappelle en 1982 cette chevauchée d'un certain Chaban Malskane. Tout à fait, oui. Sur le même côté de Montflanc. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'il parle là de... coup de pied droit, regardez, et du régal, que du régal sur toutes ces répétitions. Il prend le dessus sur Harag. Je peux vous dire qu'il aura crevé l'écran, je l'avais dit en début de match, attention ce diable, Gulmelaili, regardez ce culot, il va rentrer entre deux, quelle pénétration. Il fait ce qu'il veut. À 20 ans, il faut se le permettre, il va crocheter les deux défenseurs. Fort. Ça repart en contre. Mais on a comme l'impression que le milieu de terrain de Nad n'existe pas, Mohamed. Parce qu'il y a une certaine bataille au milieu. Attention à cette incursion, attention, du pied gauche au-dessus de la trappe. Elle met la ligne. Regardez-moi ce jeu de jambes. Regardez, il va pénétrer, il lève la tête de son pied gauche, enveloppé, malheureusement du public, ouverture du score, je le rappelle, en première mi-temps, Paul Brachlifan.